Allô la gang! Ben oui, vous êtes chez nous, en plein déménagement. C'est spécial parce que normalement, c'est pas comme ça. Mais j'ai transformé ça en galerie d'art pour être capable de vous présenter mes toiles. Parce que, étant donné qu'on déménage, je me suis dit, c'est beaucoup, beaucoup. J'en ai plus de 150 toiles. Alors, je l'ai fait moitié prix. Donc, si vous avez envie de vous procurer une de mes toiles, c'est vraiment le moment. Parce qu'après ça, je les ramasse. Puis, on verra quand est-ce que ce sera le temps d'y ressortir. Alors, je vous les présente, OK? On y va, on va commencer. Alors, voilà, vous êtes dans le sous-sol de notre petite maison. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est le sous-sol des Belles Rebelles, hein? Et puis, voici, on va commencer. Alors, ça, c'est une toile que j'ai faite à partir d'une autre toile. Il y avait une grosse rose là-dedans, et puis j'ai fait une femme. Les Inukshuk, c'est vraiment mon symbole. Alors, toutes les toiles acadiennes. J'ai beaucoup de toiles acadiennes. Je vais aussi les mettre aussi par ordre. Je vais faire des toiles sur ma région. Je vais faire des toiles sur le country. Me voici avec un cheval. J'adore les chevaux. J'adore les chevaux. Alors, j'ai fait beaucoup de toiles avec des chevaux. Vous allez voir aussi ce que j'adore parce que chacune des toiles, c'est ça. Alors, me voici. C'est un autoportrait. Ça, c'est le gros camion des forciers. En fait, c'est le camion à mon ami Guy de Tracy Transport. Alors, si jamais vous avez des choses à faire apporter en Floride, il faut vous adresser à Tracy Transport. Alors, ce sont eux qui amènent toutes mes choses en Floride, qui les ramènent. Ce sont des gens extraordinaires. Et c'est pourquoi je fais un party cet été, le 14 et le 15 août, au domaine des forciers. Alors, ça, c'est des petits lacs d'automne avec des petites cabanes canadiennes. Toujours des autoportraits, des Inukshuk acadiens. Ça, c'est mes premières cassettes. Voici les baleines, des petites maisons acadiennes. Je fais aussi beaucoup de nus. J'adore la sensualité. Donc, je fais du nu comme ça. Pas moi, mais je peins. Alors, le country, voilà, c'est un cheval avec des notes de musique, ça représente très le country. Le loup, symbole amérindien qui est protecteur avec le capteur de rêve. Alors, croyez toujours à vos rêves, un peu comme moi. Vu que je fais le Capitole au mois de septembre, c'est que j'ai pas lâché mes rêves. Voici une petite barque acadienne. Le tableau s'appelait l'étoile. Des bateaux, ça j'adore les bateaux. Et des vannes. J'aime toujours beaucoup les vannes. Alors, voilà, c'est le bleu et le rose. Hein? C'est masculin, féminin, terrible. Maintenant, voici ma vanne de rêve. Voilà. Ça, là, c'est la vanne Belle Rebelle. Hein? Un jour, on va se promener avec une vanne Belle Rebelle de même. Faut y croire. Hein? Faut croire à ses rêves. Je vous l'ai dit. Voilà des outards. Parce que l'année dernière, je suis allée faire un tour à l'île aux grues et on voulait tourner le clip « Les oies sauvages ». Alors ça, c'est moi, country, toujours. Chevreuil, orignal, tous les animaux, j'adore, petit phoque. Mon amoureux, une barque, gros phoque. Et là, vous avez la section des Amérindiens. J'adore la culture amérindienne. Je me sens tellement proche de la culture amérindienne. Alors voilà, ma femme à la larme en rose. Mon Dieu, je l'adore. Cette jeune fille. Ici, ça, c'est vraiment une Amérindienne de sensualité. Ah, je l'adore, celle-là. Je l'avais en plusieurs formats. Je l'ai déjà vendu. Oh, déjà. Ici, une jeune amérindienne. Inukshuk. Et voilà. Maintenant, sur mon gros mur ici. C'est le mur de l'escalier, ça. Alors, voilà. Toujours des femmes amérindiennes. Hein. J'aime beaucoup la féminité. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, ça, c'est un très, très, très grand tableau. Je voulais, pour le Capitole, je vais le mettre en tirage.
Donc, ceux qui viendront au Capitole auront une chance de gagner ce gros tableau amérindien aux lèvres bleues. Me voici donc. Et là, voilà, vous avez mes valeurs au travers ça. Rebelle, liberté, paix, bonheur. Les ailes de la Madeleine. Les îles de la Madeleine que j'adore. Ben voilà, on continue. Hey, c'est pas fini. Je vous l'ai dit, j'en ai 170. OK, alors on est dans une autre section. Section Inukshuk. Loup. Symbole protecteur. Les hydravions. Si demain. Ah, ça c'est ma toile de porte-bonheur, si on veut. En country. Ah, voici l'île d'Anticosti. La chute boréale. Un voilier, j'adore les bateaux. Un jeune Amérindien. Des Inukshuk. Inukshuk en noir et blanc. Inukshuk. Inukshuk avec aurore boréale. Aurore boréale. Voilà. Les maisons acadiennes. Les baleines de la côte nord. Les kayaks sur la côte nord. Maintenant, les baleines de la Côte-Nord, voilà un gros tableau de baleines de la Côte-Nord. Les loups, protecteurs, capteurs de rêve. Ça, c'est vraiment des symboles que j'exploite énormément. Et Inukshuk encore. Voilà. On va rentrer dans la petite salle de bain. Où là, j'ai mes cabanes à sucre. Cabanes à sucre, grosse cabane à sucre. Moi qui chante. Deux tableaux de bateaux. Ensuite, un tableau à trois parties de barque, cabane à sucre, bateau et petite maison. OK, maintenant on va dans une autre pièce. Ça, c'est la pièce où on mettait nos instruments de musique et tout le matériel de musique. Alors voilà, j'adore les motos. Je me suis peint avec un manteau devant. Et de derrière. J'ai peint aussi un petit garçon qui avait trop aimé ça, les motos. Alors, il voulait avoir sa photo. Je l'ai fait. Ça, c'est un super symbole. C'est une amie qui a perdu sa fille en moto. Et elle s'appelle Julie. Elle s'appelait Julie. Et elle était belle et rebelle. Alors, la botte de cuir, c'est pour la rebelle. Et le talon haut, c'est pour la belle. Ça, c'est très symbolique. Mais ce tableau-là, vous ne pourrez pas l'acheter. Il est déjà offert. Alors, toujours mes cabanes à sucre, chevaux, amérindiens, cheval. Les ours. Les ours sont trop cute. Et toujours un tout petit tableau de mon chalet avec la barque. OK, alors on change de style complètement maintenant. Je vous emmène dans la chambre d'amis où là, mon style était les nus. Alors, on est vraiment dans le nu, mais la sensualité. Alors, la sirène, des nus en noir et blanc, l'amour, dans l'eau. Ouais, c'est toujours très sensuel parce que et ce tableau-là, comme celui-ci par exemple, vous voyez, je l'avais fait pour le cancer, pour le bal en rose. Donc, le cancer du sein, j'en ai fait beaucoup pour le cancer du sein. D'ailleurs, les voilà, ceux pour le cancer du sein. Voilà. Alors, on continue. Voilà, ça, c'est un tableau triple. Voilà, il y a trois tableaux. Je continue ici. Du noir et blanc. J'adore ça, c'est sobre, c'est beau. Alors, je fais la femme en noir et blanc, l'homme en noir et blanc. Voilà. En jeans, maintenant. Homme et la femme en jeans. Alors, ça, c'est un tableau. Ça, c'est un autre tableau. J'ai aussi du décor. Ça, c'est un autre tableau.
Ici, oh là là. Ça relie la sensualité et les chevaux. C'est grand. Cheval. Un grand, 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 grand tableau. Ça, c'est plus les hommes, voilà. Alors, j'ai un homme en jeans, puis un homme tout nu. Bon. Alors, ici, ben, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Et apparemment, celui-là, mon chum me dit que ça me ressemble. Voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour avec vous de mes tableaux. Alors, si jamais ça vous intéresse, s'il y a un tableau parmi ceux que vous venez de voir dans mon clip qui vous intéresse, ben c'est le temps. Parce qu'après, je les ramasse et puis je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire des expositions. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant, j'aurai plus beaucoup de temps pour peindre parce que les tournées s'en viennent, l'été est chargé. Alors, non, ça ira à l'automne, puis à l'automne est chargé jusqu'à, je sais plus. Franchement, c'est chargé pour la prochaine année. Alors, voilà, je vous embrasse, puis j'espère passer par chez vous, puis si je passe par chez vous, venez me voir surtout. Hein? J'en aurai quelques tableaux avec moi, et j'aurai aussi des vêtements Belle Rebelle avec moi. Love you! Bye bye!